Josh, je viens vous conter l'histoire d'un jeune intrépide, mais au fond, fragile. Un jeune qui, lorsqu'il mangeait l'amour à pleines dents, se voyait un peu comme Maria Ferrari. Il disait que s'il arrivait à la faire sourire, il pourrait la séduire. Mais plus le temps passait, et lorsqu'elle souriait, c'est lui qui tombait amoureux. Mais hélas, il oublia que cette fois-ci, la chute serait fatale. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir, Georges. Comment est-ce que tu vas bien? Ça va super, monsieur. En fait, je voudrais te dire que entre toi et moi, c'est fini. Parce que vraiment, j'ai essayé de tenir la relation, mais pourquoi je suis fatiguée de me jouer les hypocrites alors que je ne t'aime pas. J'ai vraiment essayé de t'aimer, mais là ça ne va pas. Non, mais qu'est-ce que non, franchement, je veux rien entendre parce que là tu es pour je suis pour comment je suis pas ton goût comment vraiment j'aime rien de tout en fait. Rien de toi, que ce soit ton physique, ton comportement, rien ne me plaît. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je veux qu'on arrête là, je veux qu'on en finisse avec cette relation. Oui, je veux rien entendre. Je n'ai pas ce que je veux. Allô, l'équipe, allô. Allô. Oh. C'est fini. Elle t'a fait ça. C'est là où tu t'es fait ça. Waouh. Tu t'es fait ça. Quelle trahison. C'est fini. Trahison. C'est fini. Ah, c'est fini. Ah, ça. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous accorder un peu de ton temps? C'est quoi? Parler de Jésus. Juste pour te parler de Jésus, quoi. Tiens, vous me fatiguez. Je sais que tu es fatigué. Vous avez même écrit Ça veut dire que Dieu, tu lui présentes tes problèmes, il va te décharger de tous ces problèmes, de tous ces fardeaux. Jésus a un plan pour toi, il va t'aider. Donc écoute, Jésus a un plan pour toi, il veut t'aider. Donc je ne sais pas ce que tu as en cœur. Josh.
Est-ce que ça va?